Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'Apple Watch et de WatchOS 4, la nouvelle monture de notre montre Apple. Et on va voir les différents écrans qui ont été présentés et les nouveautés sur WatchOS 4. C'est parti donc avec Toy Story. Alors, les nouveaux écrans de notre Apple Watch ont changé au niveau des heures. Et ils ont incorporé en fait les personnages de Toy Story. Donc ces personnages vont changer au fur et à mesure que vous allez tapoter sur votre écran. On a des personnages en mouvement qui sont bien sympathiques, assez rigolos, et ça peut amuser par exemple les petits. Et même nous-mêmes d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, c'est vraiment super, maman. Bon anniversaire. Le guirlande du magasin, celle que je voulais. Voilà pour les petites figurines de Toy Story sur votre écran d'Apple Watch. On a aussi maintenant un nouveau système pour le rythme cardiaque. Téléphone, Twitter, Translator, Wallet, Remote, rythme cardiaque. Action disponible, chargement, relevé en cours. Ici, comme vous pouvez voir, le relevé est en cours et l'application a complètement changé de figure. Le nouveau visage de l'application rythme cardiaque. Alors, je vous laisse en musique voir toutes ces petites figurines s'animer sur l'écran de votre Apple Watch, les petites animations de Toy Story. J'étoise le monde depuis ma terrasse. Je vivais la vraie vie. Chaque chose était à sa place. Quand un jour un zombie astronaute a débarqué de nulle part. Et soudain tout à coup, tout est devenu bizarre. C'est clair, à la rescousse. Étrange, impossible à prévoir. Étrange. Comme c'est bizarre. J'avais des amis, des tas d'amis, soudain évanouis. Alors, pour sauver la face, je souris devant la glace. J'avais du pouvoir, on me respectait, mais j'ai perdu désormais l'amour de celle que j'adorais. Faut dire que tout ça est bien net. Voilà, donc tous ces écrans ont été présentés dernièrement et sont disponibles depuis la version bêta 2 WatchOS 4. Alors, avec ces écrans, il n'y a aucun bruit, ce qui n'est pas le cas avec Mickey et Minnie lorsqu'on met l'écran sur notre montre. On peut aussi remarquer un nouvel écran qui a fait son apparition. C'est un écran Siri qui justement nous donne différentes informations. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur ma chaîne, la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Ces vidéos sont accessibles avec VoiceOver. Je vous dis donc à bientôt
pour la prochaine. Salut!